marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons, à nos poissons. Ta marinière de Hoshi, on va avoir trois ingrédients, la technique, les accords et la rythmique de ce morceau. Pour la technique, on va en avoir deux. On va avoir un arpège sur deux notes à la main droite pour le couplet. Deuxième technique pour le refrain qui est, représente un peu le motif électro qu'on a dans l'accompagnement. Ça consiste en fait à faire une pompe. C'est parti! On prend le premier motif, celui de des arpèges. On va donc avoir à la première quatre positions d'arpège. La première sur le si bémol, puisqu'en fait ce sera un si bémol mineur. On aura violet rose à la main gauche. Et à la main droite, on alternera si bémol et fa, c'est-à-dire violet, rose et vert. Et on va le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. Deux mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va avoir sur le ré mineur la basse qui fera le ré bémol, c'est-à-dire rouge-orange. C'était pas un ré mineur, c'est un ré bémol plutôt. Rouge-orange. Et à la main droite, on aura rouge-orange et vert. Ré bémol et fa. En fait, c'est la tierce de l'accord. Deux mesures aussi. Ensuite, sur le sol bémol, hop, sur le sol bémol, je vais faire vert bleu, c'est-à-dire le sol bémol à la main gauche, et à la main droite, je vais garder comme le premier accord si bémol et fa, c'est-à-dire violet rose et vert. Et ensuite, pour le mi bémol, je ferai au pouce orange-jaune pour le mi bémol et je ferai deux notes, si bémol et mi bémol, violet-rose et orange-jaune. Voici tout! Technique du couplet, on passe maintenant à la technique du refrain. Pour le refrain, en fait, ce sera une pompe. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger, vous pouvez aller sur le lien qui vous emmènera vers la formation S'accompagner au piano en 30 jours chrono. Puisqu'on aura une pompe pour le refrain. Aux accords de ce morceau, ce sera rapide et facile puisqu'en fait on va avoir des accords parfaits et il y en aura seulement 4 à mémoriser. On commence avec un si bémol mineur, c'est-à-dire si bémol violet rose à la main gauche, et à la main droite si bémol ré bémol fa violet rose rouge orange et vert. Ensuite je l'enchaîne à un ré bémol, c'est-à-dire rouge orange à la main gauche et ré bémol fa la bémol à la main droite, rouge, orange, vert, bleu, violet. Ensuite, je vais avoir un sol bémol à prendre dans les aigus ou dans les graves. Ça nous fera vert, bleu à la main gauche et vert, bleu, bleu, violet, rose et rouge, orange à la main droite pour sol bémol, si bémol et ré bémol. Et pour terminer, on aura notre mi bémol, c'est-à-dire mi bémol orange jaune à la main gauche et mi bémol, sol bémol, si bémol à la main droite. Mi bémol mineur, donc ça fera orange jaune, vert bleu et violet rose. Voici tout le refrain au ralenti.
rythmique de ce morceau, ce sera une rythmique en croche et en noir. Pour l'intro, on aura des croches. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous devez vous servir du pouce pour bien marquer les temps forts. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir rester bien en rythme. Pour la partie refrain, il vous suffira d'appuyer, de vous baser sur la main gauche cette fois-ci pour rester en rythme.